calmez-vous. Mais je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir. 14 ans, j'ai pas mis les pieds ici au Comédia parce qu'il me devait du cash. Et puis j'aimerais... Et je suis là ce soir et je suis vraiment très heureux d'être là parmi vous. Merci de m'accueillir. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Je suis venu avec ma femme qui est assise juste là, là. Tu peux pas la voir, monsieur, elle est voilée. Et en plus... Non, c'est pas vrai. J'ai pas amené ma femme avec moi. J'aurais aimé pour ce beau voyage l'amener, ma chérie d'amour, mais je peux pas parce qu'elle est occupée. Elle se prépare pour la rentrée. Elle est encore au secondaire. Et les choses que je voulais... Est-ce qu'il y a des gens ici parmi l'applaudissement qui sont mariés ou des couples qui fait longtemps qu'ils sont ensemble? Je veux les entendre. Applaudis. Yes, en haut. OK. Ça étend pas. Quand c'est rendu que tu tires la main de ta femme pour dire « On est mariés! » « Lâche-moi la main, lâche-moi la main. » « M'as tué quand tu dors. » Mais merci à ceux qui ont applaudi. J'ai besoin... Moi, je suis un jeune couple. J'ai besoin d'informations. Alors, je veux savoir... pourquoi les côtés obscurs, les côtés bizarres sur ta femme, tu les apprends après le mariage et pas avant? Hein? Pourquoi? Je sorti cinq ans avec elle et toutes les surprises, les côtés bizarres, pessimistes sur elle... ont pété quelques jours, voire une semaine après le mariage. J'ai appris seulement une semaine après le mariage que ma femme parle l'arabe. Imagine-toi, OK, elle est québécoise, elle est née comme moi ici au Québec, mais elle est d'origine syrienne. Calme-toi. Elle n'a jamais parlé arabe devant moi. On est mariés, on est au restaurant. Sa mère l'appelle au téléphone, elle se met à gueuler dans un arabe. J'ai jamais entendu parler de ma vie. Amène-lui un verre d'eau, elle s'étouffe. Tape dans sa nuque. OK, elle parle l'arabe, c'est une surprise que j'ai appris. OK, c'est pas grave, mais il y a d'autres affaires qui ont changé, puis je comprends pas. Avant le mariage, moi, j'ai connu ma femme extrêmement timide. Timide, grave, là. À un point que mon père l'a vu la première fois, il a fait, il parle pas beaucoup, hein. Il est très humide, hein. C'est vraiment très... Et... de la comprendre. Mais, sérieux... Timide, tout le temps gêné, tout le temps, oh non, c'est pas vous, c'est moi, un ascenseur, allez-y, je vais prendre le prochain, tout le temps en retard, à cogne sa porte du frigidaire avant de l'ouvrir. Ah, oh, la banane était toute nue, désolée, banane. Okay. Tu comprends? OK, écoute ça, on s'en va à Paris après le mariage. Je l'amène avec moi faire des shows là-bas et on rentre dans une pâtisserie fondée en 1725. 300 ans, la pâtisserie, j'avais jamais vu ça de ma vie. Pourtant, il y avait une plaque, même si je le croyais pas, une plaque qui officialisait les 300 ans de la pâtisserie, faite par la ville. Je rentre à l'intérieur, je suis sceptique, je suis un Thomas ce jour-là, je rentre avec ma femme, je vois une madame très âgée derrière le comptoir. Madame, on s'excuse, on vient du Québec, puis on voulait savoir, franchement, c'est vrai que ça a été ouvert il y a 300 ans? Je m'attendais pas à une réponse de même. Mais c'est écrit devant, merde! Et c'est ma femme que j'ai pu reconnaître. T'en fais pas, chérie. Je pense qu'elle était là le jour d'ouverture, elle. D'où ça sort, ça? Explique-moi! C'est quoi votre secret, les femmes? C'est comme si avant le mariage, hein? Avant le sérieux, là, on se retient, les filles. On n'en dévoile pas trop. Mmh? Mais une fois qu'on est mariés, une fois la bague... Ma femme, tout a changé. Avant le mariage, ma femme éternuait. C'était cute. Excuse-moi, je voulais pas te déranger. Dès qu'elle a entendu, je vous prononce, mari et femme. Feu! Oh, je vais aller piger des carottes, moi. Avant le mariage, ma femme se mouchait, la voir prendre un mouchoir au Québec. On aurait dit les grands balais canadiens. C'était d'une grâce. Elle prenait son petit mouchoir. Je vous prononce, mari et femme. La soeur, petit peu. Je mâcherais de même en une demi-heure, moi, j'aime ça.
Je te jure, j'ai un voisin qui marche demain. Il s'appelle Gilles. Salut, Rachid. Salut, Rachid. Ouais, pas chaud, pas la pompe à eau, hein. J'ai chaud, pas chaud. S'il y a le feu dans le building, salut, Rachid. Salut, Rachid. Je vais sortir d'ici, Rachid. Tout change. Même son rire. Elle avait un rire extraordinaire avant le mariage. Excellent. Je vous prononce mari et femme. C'est quoi cette merde-là? Pourquoi j'ai pas appris ça avant le mariage? Ça aurait peut-être joué avec ma décision! Oh non, on est mariés une couple de jours après le mariage. Auto restaurant, j'y compte une joke. La facture, s'il vous plaît. Ah non, Miss Piggy va payer pour elle, come on. Elle cherche des truffes, vas-y. Et ça, tu t'habitues, c'est correct, ça passe. Tout ça, tu t'habitues. C'est un choc au début, mais tu l'aimes. C'est qu'étant à dire, mais l'amour, ça règle tout. Il y a une chose, par contre, dans mon couple. J'allais vous roter en disant ça, c'est assez dégueulasse. Excusez-moi, je suis un peu trop à l'aise ici à Québec, mais s'il y a une chose que l'amour ne peut pas régler entre moi, il y a une chose que ma femme a fait depuis qu'on est mariés. Ça m'a effrayé pour le restant de mes jours. Ma femme, des fois, elle dort avec ses deux yeux ouverts. Ça, c'est plus de la peur. Ça, c'est de l'exorcisme à côté de toi. Première fois que ça arrive, je suis dans le lit, je check la télé, je regarde et je l'entends respirer à côté de moi 5 minutes plus tard. Et là, le cauchemar Québec a commencé. Elle se retourne vers moi. Et elle me fixe dans les yeux. Faut dans la cuisine me chercher un cupcake, cette pute. Excusez-moi. J'ai un peu exagéré. C'est pas toutes des surprises, c'est pas vrai. Il y a des choses que j'ai appris bien avant le mariage. Tout de suite, je l'ai vu qu'on avait des points en commun. Moi et elle, on aime le ménage. Deux freaks du ménage. Mais elle a fait exprès pour que sa passion pour le ménage soit égale à la mienne, pas me faire peur. Parce qu'une fois mariée, j'ai remarqué qu'elle, sa passion pour le ménage, un autre niveau. Elle, dès qu'on se réveille, le matin, encore avec les crottes dans les yeux, dès qu'on se lève, faut refaire le lit tout de suite. T'es aussi la folle. Tout de suite. Faut faire le lit. Tout de suite. Faire le lit. Calme. Penche ta tête, tu saignes du nez. Penche ta tête. On va le faire. Attends que je sorte du lit, OK? Ils sont faites fortes. C'est pour ça que c'est elle qui porte l'enfant. J'ai vu ça, toi, un accouchement. Moi, j'ai vu ça, mon gars. C'est des super-héros. Personnellement, mais ça sort. T'as pas, tu sais pas c'est quoi une femme quand t'as pas vu, tant que t'as pas vu sortir. T'as des mamans. Je peux pas te l'expliquer. À moins que tu sors un melon d'eau de ton cul. Elles ne sont pas d'ici. C'est des femmes bioniques. Sinon, comment comprendre? Comment expliquer pendant une fois par mois qu'elles saignent pendant 5 jours sans arrêt? On peut pas faire ça, nous autres, c'est impossible. À vous voir aller, les filles. Même Edward, dans Twilight, ferait « Moi, j'ai plus soif. Ciao. » Je suis allé voir mon père pour des conseils là-dessus. « Papa, 45 ans de mariage, aide-moi. Est-ce que ça arrête? » « Ça n'arrête jamais, mon fils. Jamais. » C'est écrit sur la boîte. « Always. » C'était Rachid Badoui.